Bonjour, Monsieur Charbonneau. Quand on parle de la CEQ, on parle de quoi? Sans faire affaire publique, on va essayer de se situer un peu. Ça veut dire quoi? Combien de membres, c'est là-bas? Environ 75 à 76 000 membres, qui sont pour la plupart des enseignants de niveau élémentaire et secondaire, de niveau collégial, et aussi quelques groupes de d'autres catégories de personnel d'enseignement, comme personnel de soutien ou professionnel de l'enseignant. Il y aurait 75 000 professeurs, ça c'est de la maternelle jusqu'au cégep compris. Pour une partie, nous avons à la CEQ une partie des professeurs de cégep. Tous les professeurs ne sont pas CEQ? Il y a aussi des professeurs qui sont syndiqués à d'autres centrales. Pour un certain nombre, environ 5 000, et tous les autres sont à la CEQ. Actuellement, nous sommes en train de changer non seulement le nom, mais toute la structure de notre organisme, et le nouveau nom sera la Centrale de l'enseignement du Québec, et non plus la Corporation des enseignants. Ce qui indique, je crois, une certaine ouverture à toutes les catégories de personnel qui travaillent dans une école en milieu scolaire, quel que soit le métier qu'ils fassent. Dans le milieu universitaire, on n'est pas syndiqué? Le milieu universitaire, du côté syndical, se tient encore dans les marges, généralement parlant. Il y a quelques groupes ici et là qui sont d'une part syndiqués. Nous avons un affilié dans ce milieu-là. Il y en a un autre groupe qui est affilié à la CSN. Et certains autres campus sont organisés en association, bona fide, ou encore en syndicat, mais du côté affiliation, c'est le pas qu'il reste à franchir aux professeurs de milieu universitaire pour devenir solidaires sur la même longueur d'onde que leurs collègues des autres niveaux d'enseignement. Le syndicalisme, dans le sens moderne, dans le sens actuel du mot, ça existe chez les professeurs depuis combien de temps, chez les enseignants? Ça existe de façon formelle depuis les années 36. La CEQ s'est formée officiellement en 1946 sous le nom à l'époque de Corporation des instituteurs et institutrices catholiques du Québec. En 1946, cette organisation-là a regroupé trois fédérations qui s'étaient formées entre 36 et 46, sous l'impulsion notamment d'institutrices rurales très militantes, la pionnière du syndicalisme enseignant à la CIC et Laure Gaudreau, une institutrice de la région de Charlevoix. Et ce sont les régions rurales qui, en très grand nombre, ont multiplié les syndicats locaux. À l'époque, il fallait lutter très souvent contre non seulement la commission scolaire, mais le clergé. Enfin, il y avait beaucoup de réticence au syndicalisme. Et par contre, dans d'autres milieux, c'était le clergé qui aidait les institutrices et les instituteurs de l'époque qui étaient vraiment sous-payés. C'était vraiment les petits commis ou les sous-bedeaux du système à l'époque, 200-300 $ par année d'enseignement. Tout le monde. Mais ils avaient si beau prestige. Eh oui, le prestige du missionnariat mal payé et affamé. Êtes-vous comme moi un peu surpris d'entendre dire que les instituteurs sont syndiqués depuis 36? On a l'impression que ça existe depuis à peu près 5-6 ans. Hein? C'est pas dû des choses, là. Oui, bien, le syndicalisme en milieu de l'enseignement a connu diverses étapes et très longtemps, le tout s'est déroulé sur une base locale. Jusqu'à 1966 ou 67, peut-être c'est la date qui constitue un virage dans notre manière de faire et d'agir et d'être sur le plan du Québec. 1966-67, c'était le début des grandes opérations provinciales, le Bill 25, puis deux grandes négociations. Ça a donné toute une autre caractéristique à notre organisation, mais pendant 25 ans auparavant, il y avait un militantisme quotidien, des luttes acharnées qui se faisaient dans les régions anonymes, modestes, mais qui constituent la base de ce que nous pouvons être aujourd'hui.